Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien du collectif Teammate pour un nouveau tuto gratuit sur Photoshop. Alors ça fait un petit moment hein, qu'on n'a pas publié, bah oui entre les vacances et puis le rush de septembre là, on n'a pas forcément eu le temps et, et les moyens de euh, bah, d'être assidu, donc euh, désolé. Mais bon, je vais essayer quand même euh, pour les personnes qui nous suivent de euh, bah, de produire un minimum de, de tutos là, même si on est un peu euh, charrette en ce moment. Donc voilà, il y a un abonné qui nous a demandé de, euh, de faire un tuto. Euh, alors on va l'appeler un effet, un pseudo-effet HDR sur les images, puisque euh, on partira d'une image de base un petit peu palote, et euh, petit à petit, hein, on arrivera à un résultat un petit peu plus soutenu, une expression euh, pareil un peu plus soutenue, et puis surtout des détails euh, que l'on voit beaucoup plus, euh, qui sont mis beaucoup plus en avant. Donc, je vous propose dans un premier temps de télécharger le fichier source. Hein. Vous trouverez le lien en dessous de la vidéo. Et une fois que vous l'avez téléchargé, vous pourrez utiliser l'image .Jpeg pour travailler directement en live avec moi. Donc, on ouvre image.jpg, ouvrir avec Photoshop. Et on fait OK. Alors, si l'image vous paraît un peu grande, pas de souci. On va pouvoir. Euh la diminuer sa résolution, puisque si on fait image, taille de l'image, le raccourci clavier pour afficher cette fenêtre, si vous êtes sur Mac, vous faites Commande, Alt et I, et sur PC, bah, ce sera Ctrl, Alt et I. Donc là, vous voyez que la résolution est quand même à 300, donc on peut peut-être modifier légèrement la largeur, on va la mettre à, allez, à 1800, comme ça, le poids de l'image sera quand même un peu moins, un peu moins grand. Comme ceci. En plus, on est à 100%, donc là, c'est parfait. On peut venir double-cliquer sur l'arrière-plan pour le déverrouiller, comme ça, ça sera fait. Et dans un premier temps, on va venir créer un calque de réglage. Donc, on va venir cliquer ici et on va sélectionner courbe. On peut fermer la fenêtre des propriétés et on va placer directement ce calque de réglage courbe en euh, superposition. Donc là, on a une image beaucoup plus claire. C'est normal. On vient. Sélectionner le noir ici en arrière-plan ou en premier plan, peu importe. On va plutôt le faire en premier plan et on va venir remplir le calque ici, le masque, pardon, de noir. Donc, soit on fait édition remplir, couleur de premier plan, donc on se met en couleur de premier plan, en normal, et on le remplit. Voilà. Donc là, euh, tout a disparu, c'est normal puisqu'on vient de le remplir de noir. Sinon le petit raccourci clavier pour le remplir, hein, vous appuyez sur Shift et Retour. Donc, la touche retour se trouve au-dessus de la touche entrée et vous faites OK. Là on va venir prendre le pinceau. Alors le pinceau, le raccourci clavier c'est B et euh, on va venir repasser, bah, déjà on peut peut-être baisser un petit peu la taille du pinceau, comme ceci. Et on va se mettre en blanc en premier plan et on va venir repasser sur les yeux de la jeune fille. Donc là j'ai peut-être été. Un peu trop gourmand au niveau de la forme on va réduire un petit peu on peut se mettre en, en 60% c'est pas mal au niveau de l'opacité ici euh, du pinceau et voilà l'idée c'est de repasser dans les blancs dans le blanc de l'œil et puis euh, même dans l'iris un petit peu on peut même baisser un peu le pinceau histoire de donner un peu plus d'éclat dans, dans le regard donc là euh, on peut laisser courbe 1 comme ça on se rappellera que c'est le calque de réglage courbe on va refaire un calque de réglage en cliquant ici et on va se mettre en noir et blanc on vient tout de suite se mettre en produit voilà donc déjà on arrive avec euh, on a une image un petit peu plus terne et donc là les propriétés on peut fermer tout ça et ce qu'on va faire tout de suite c'est euh, on va fusionner tous les calques pour en refaire un nouveau mais tout en gardant euh, les calques que l'on vient de créer donc pour tout fusionner et créer un nouveau calque on va appuyer sur commande, alt shift et e ou ctrl alt shift et e voilà donc là on se retrouve vous voyez avec un nouveau calque qui reprend toutes les propriétés en fait et mode de fusion que l'on a créé euh, précédemment donc là on peut euh, on peut l'appeler euh, bon on va le laisser en calque 1 et tout de suite, ce qu'on va venir faire, c'est cliquer sur Image Réglage et on va venir cliquer sur Ton foncé et ton clair. Donc là, l'idée, c'est d'éclaircir euh, un petit peu plus l'image. Là, je vais dézoomer, je fais un aperçu. Donc là, on l'éclaircit un petit peu, on peut se mettre en facteur à, à 50%. Au niveau des tons clairs, on peut essayer de se mettre à 15% ou à 10, ça me paraît pas mal, et on fait OK. Donc là, on peut peut-être le renommer euh, ton foncé, ton clair. On va rajouter un S, tac. et voilà. Donc maintenant, on va venir booster un petit peu les zones euh, de lumière sur son visage. Donc on va utiliser ici l'outil densité moins. Donc, on sélectionne l'outil densité moins. On peut au niveau d'exposition de peut-être baisser un petit peu, se mettre euh, en 20%. La taille du pinceau peut peut-être la baisser un petit peu et là vous voyez, on va venir repasser légèrement. On va le faire plusieurs fois hein, sur euh, les zones qui sont éclairées de son visage. Donc éviter de trop repasser dessus sinon ça va cramer un petit peu le le visage. On peut venir baisser un petit peu plus le, euh, la forme du pinceau, hein, histoire de donner un petit peu plus d'éclat dans les lèvres. Donc ça, on peut aussi repasser légèrement dans les yeux, dans le blanc des yeux et dans l'iris. Voilà. Après, c'est euh, vraiment à vous de voir. Hein. Ok. Là, je pense qu'on est pas trop mal. On peut le faire un petit peu dans le cou aussi. Peut-être un peu aussi dans les cheveux, par endroits. Et voilà. Donc maintenant, on va encore fusionner tous les cales. Donc on se remet sur ton foncé, ton clair. On appuie sur Command Alt Shift et E ou Contrôle Alt Shift et E. On peut renommer ça en euh, accentuation, par exemple. Euh, et du coup, maintenant, on va venir cliquer sur filtre, renforcement. Et on va faire accentuation. Donc là, après... Au niveau des, va des valeurs, ça va être vraiment selon, euh, selon la photo. Donc vous voyez, plus on va rajouter de gains, bah, plus euh, l'effet HDR sera, bah, sera présent sur l'image. Pareil euh, au niveau bah, du rayon, ça va rajouter un peu plus de contraste. Donc, et attention parce que ça va cramer aussi un petit peu les blancs. Donc évitez de, vous voyez, surtout au niveau de la pointe du nez par exemple, hein, de, de trop trop la cramer. Bon, après c'est vraiment selon la photo. Là on peut se mettre euh, allez, on peut se mettre à 12 et puis à 75 ou à 70. Et là on va faire OK. Maintenant, on va venir baisser un petit peu la teinte saturation. Donc on va créer un nouveau calque de réglage et on va venir cliquer sur teinte saturation. On vient baisser la saturation. Hein. Donc on va essayer de, de garder un tout petit peu de couleur dans l'image mais pas grand chose donc là euh, vu qu'elle est châtain roux on essaye de garder quand même un petit peu de, de couleur hein, dans, dans la teinte des cheveux donc là moins moins 50 ça ça me paraît ça me paraît pas mal donc on peut valider ça comme ça tout de suite ce qu'on vient faire c'est euh, un nouveau calque de réglage on va en faire plusieurs et là on va venir cliquer sur courbe de transfert de dégrader on va tout de suite se mettre en lumière tamisée là on peut venir fermer le panel et on continue dans les euh, dans les calques de réglage et on va venir cliquer sur courbe là au niveau du curseur donc des tons clairs on va venir le booster un petit peu donc là vous voyez c'est vraiment très léger on le ramène légèrement vers la gauche comme ceci et on valide donc maintenant on peut on va essayer de rajouter un petit effet de couleur sur l'ensemble de la photo donc on va recréer un calque de réglages et on va venir cliquer sur dégradé. on va cliquer sur le panel de dégradé et là bah, soit vous euh, vous choisissez un dégradé qui est présent dans Déjà prédéfini, soit vous pouvez en créer un hein. par exemple, on peut très bien ajouter du bleu, et ici on peut très bien ajouter euh, un violet euh, assez foncé. Par exemple, on fait OK, on valide, et le fond ici euh, en, en dégradé, on va lui appliquer également une petite lumière tamisée. Donc là, on peut dézoomer pour y voir un peu plus clair. Euh, après, libre à vous de, euh, de gérer en fait la direction du dégradé. Si vous voulez aussi l'inverser, si vous voulez le mettre en radial, et, où, et là encore l'inverser, enfin c'est vous qui voyez, alors peut-être que là ça fait un petit peu bizarre, on peut peut-être plutôt euh, choisir un ton un peu plus chaud, peut-être du orange et du violet, ce serait peut-être un peu mieux, comme ceci. Au niveau de l'échelle, vous pouvez aussi décider de l'augmenter légèrement, comme ceci. Et euh, on peut baisser un petit peu son opacité, puisque à 100% c'est un peu violent. On peut décider de se mettre par exemple à 50%. Après, donc si vous trouvez que l'image est un petit peu trop contrastée, ou... Euh, qu'elle manque un peu de peps ou euh, qu'il y a un petit peu trop de noir, rien ne vous empêche encore de rappuyer sur Commande Alt, Shift et E ou CTRL, Alt, Shift et E et d'utiliser Camera Raw, donc euh, filtre, fil Camera Raw pour gérer si vous voulez même un peu de la température, si vous voulez aller un peu plus vers les bleus ou un peu plus vers les tons chauds. La teinte aussi, hein, si vous voulez aller plus dans les tons violacés ou encore si vous voulez rester plutôt dans les tons sépia, ça à vous de choisir. L'exposition, vous trouvez qu'elle est surexposée, donc euh, vous euh, descendez le curseur. Ou au contraire, vous trouvez qu'elle est un peu surexposée, sous-exposée, vous euh, bougez le curseur vers la droite. Après, il y a trop de contraste, pas de souci, vous pouvez baisser un petit peu la flèche. S'il y a trop de tons clairs, ben on baisse tout ça. Les tons foncés, on peut soit les baisser s'il en manque, soit les augmenter si vous trouvez qu'il y en a un peu trop. Pareil au niveau des blancs, on peut décider d'en mettre un peu plus ou un peu moins. Mais attention à ne pas trop cramer le, le blanc ici de l'image. Voilà, il faut trouver le juste milieu. Les noirs, pareil, on décide de les augmenter ou pas. La clarté, donc là ça va être le niveau de détail. Hein, si vous voulez renforcer, vous voyez l'effet HDR. Donc là on va éviter de, de jouer avec. Hein, on peut même peut-être le baisser un petit peu si on trouve qu'il y a trop de, de détails. Donc la vibrance, on peut aussi jouer dessus. La saturation aussi. Hein, si, vous, euh, si vous voulez désaturer l'image ou encore au contraire la saturer un peu plus, libre à vous. Hein. Okay, on va rester un peu comme ça. Alors par exemple si vous trouvez que les blancs sont un peu trop cramés, comme ceci, on peut prendre l'outil pièce. Voilà, on va faire une petite sélection euh, comme ceci, hop, et on vient resélectionner un peu plus bas pour rapporter, apporter un peu plus de matière par endroit. Hop. Après c'est vraiment en fonction hein, de, de l'image. Voilà, après c'est vrai qu'au niveau du nez c'est peut-être aussi un peu violent, donc on n'hésite pas. On rapporte un petit peu de matière. Hop. Là aussi, on a peut-être été un petit peu trop gourmand. Donc c'est vraiment euh, quelque chose d'intéressant cet outil. Puisque ça évite d'utiliser le tampon. Et, euh, et la matière se fond vraiment... La matière sélectionnée se fond vraiment... Dans la matière à remplacer. Voilà, peut-être là aussi, hein, on pourrait peut-être un petit peu moins cramer tout ça. Au niveau des lèvres aussi. Hop, on va les mettre un peu plus bas. Hop. Et ici aussi. Désolé pour la boîte de dialogue, des fois je vais un peu trop vite. Voilà. Au menton, on peut aussi lui appliquer un petit outil PS. Et puis euh, là, il y a des petites zones aussi qui sont pas forcément belles. Donc euh, voilà, après, à vous de gérer tout ça. Les imperfections de peau euh, aussi, c'est pas mal d'utiliser cet outil. Ça, euh, ça les règle vraiment très bien. Regardez par exemple ici la petite pétouille, hop, il n'y en a plus. Donc voilà, après, euh, donc, si vous trouvez pareil que euh, ça manque un petit peu de couleur, bah, réutilisez l'outil euh, hop, dégradé. Par exemple, euh, vous pouvez utiliser, euh, lui il est pas mal, tiens l'effet cuivre, on peut faire OK. On fait OK, on le remet en, un, en lumière tamisée. Et puis là, on peut baisser un peu l'opacité, par exemple. Voilà, vous voyez, ça, ça apporte un petit peu plus de, de joie à l'image. Et euh, si vous voulez rappliquer encore des couleurs un peu plus chaudes, bah, rappliquer par exemple cet effet euh, violet et orange en radial. On peut peut-être inverser et puis euh, augmenter un petit peu l'échelle. Comme ça, on se remet en lumière tamisée. On baisse un petit peu l'opacité. Voilà. Et puis si vous trouvez que c'est un petit peu trop orange, ben vous avez un masque. Donc vous prenez le pinceau. Hop, on augmente un petit peu la forme du pinceau et on remplit tout ça de noir. Voilà. Comme ça. On garde les, euh, les coins, on va dire, un petit peu violacé. Et euh, la jeune fille, son visage, il n'est pas non plus trop... Euh, bah, trop orange du fait qu'on a qu'on a mis un dégradé orange et violet au contraire hein, si vous voulez rajouter un peu plus d'orange bah, vous appuyez sur x pour inverser ici le noir et le blanc et du coup bah, vous rapportez un petit peu plus de, de couleurs à droite à gauche ou sur les cheveux par exemple après c'est vous euh, c'est vous qui voyez donc bah, voilà pour euh, ce petit tuto j'espère qu'il vous aura plu donc euh, on va reprendre cette image. Ctrl C, hop, Ctrl V. Donc, on était parti d'une image comme ça, un petit peu palote. Et puis, bah, c'est vrai qu'on qu arrive là à un effet plutôt, on va dire, style HDR. On remet en valeur un petit peu tous les détails. Et encore une fois, si vous trouvez que bah, l'effet est un petit peu trop prononcé, n'hésitez pas à utiliser hein, ce raccourci Ctrl -H, Alt Shift E et utiliser les filtres hein, pour enlever un petit peu de, par exemple, de, de détails. Vous reprenez Caméra rose, ça gère très bien tout ça. Hop, on peut baisser un petit peu la clarté, par exemple. Faire OK et vous voyez là, on perd encore un petit peu en détail. On aurait très bien pu aussi rajouter un petit calque de réglage, encore une fois un noir et blanc. Voilà, donc euh, tout devient noir, c'est normal. Le panel, je peux le supprimer. Et du coup, vous pouvez reprendre le pinceau, vous mettre en noir en premier plan et repasser sur certains endroits de, de l'image. Donc là, au niveau de l'opacité, on peut se mettre en 25. Vous pouvez prendre une forme assez grande. Vous voyez, vous repassez une fois, vous gardez le clic enfoncé. Donc là, vous voyez, on vient de rajouter un petit peu de couleur. Vous pouvez le faire encore une fois par endroit. Hop. Un petit peu, par exemple, sur les angles, pour garder, euh, renforcer un petit peu plus le violet. Un petit peu sur sa chemise. Un peu sur ses cheveux, par exemple. On peut baisser un petit peu l'opacité. Et sur son visage, un tout petit peu. Et après, si vous voulez renforcer un peu plus, ben... Je ne pas, mettre un peu plus de couleur sur les cheveux, bah vous repassez un peu plus de fois, comme ceci. Voilà, si vous voulez donner, rajouter un peu plus de violet, bah on n'hésite pas, on repasse dessus, un petit peu dans le fond qui, qui se floute. Voilà, rajouter un peu plus de couleur. Ça peut être sympa. Enfin bref, voilà, il y a vraiment plein de petites astuces hein, pour arriver à, à ce genre de résultat. Donc on va arrêter là parce que je vais, euh, je vais vous laisser maintenant euh, refaire peut-être le tuto avec euh, bah, des, des techniques différentes. Donc j'espère que vous avez apprécié ce tuto. Si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à me les poser soit dans les commentaires, soit sur notre site internet ou à l'adresse suivante damien.fr. Si vous aussi vous voulez partager vos créations, bah faites un petit tour sur et Vous avez une rubrique dans le blog qui vous est dédiée hein, pour montrer un petit peu à tout le monde euh, ben, ce que vous savez faire maintenant euh, suite à nos tutos euh, sur, euh, sur Photoshop. Hein, je suis sûr qu'il euh, y a des talents ou des futurs talents euh, parmi vous. Donc voilà, vous n'hésitez pas. Et euh, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas non plus. Comme ça, vous serez tenu informé des prochains tutos. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.